Amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau samedi, jour de Saturne où on se repose les mimines et les mirettes. Enfin, je ne sais pas du tout si on se repose les mirettes, mais quoi qu'il en soit, on reste tranquille et on ne cherche pas rien du tout, hein, tout simplement. Alors merci pour votre présence aux azimuts, hein, bien sûr les amis, merci pour vos pouces bleus, pour vos partages et surtout vos abonnements. Vous vérifiez bien vos abonnements parce que j'ai des retours comme quoi les amis sont quelquefois, on ne sait pas pourquoi, mystérieux. Ça continue dans le programme. Nous allons faire donc une vidéo au bout du tunnel, le scandale, et vous comprendrez dans quelques minutes le sujet qu'on va aborder. J'ai mis du temps pour le traiter ce sujet, mais il fallait y arriver. Je préférais attendre et de prendre de la hauteur avant d'aborder ce sujet qui me prend au trip à titre personnel. Donc, avant cela, je vous présente un ouvrage que tout occultiste doit avoir dans sa bibliothèque. D'accord, c'est un livre qui parle d'un personnage, Eliphas Lévi, bien évidemment. Dogme et rituel de la haute magie. Je l'avais payé combien cet ouvrage? Ben écoutez, j'en sais rien du tout à nouveau. Voilà, donc c'est un ouvrage. Alors, qui était Eliphas Lévi? C'est un occultiste, bien sûr, du 19e siècle. Hein, et c'est l'ouvrage de référence. Alors, pour ceux qui sont un peu plus... qui a envie de rentrer dans la connaissance, si vous voulez, cérémonielle, de la magie cérémonielle. Mais ce sont tous des gens qui se sont fréquentés avec Victor Hugo, avec Alexandre Dumas, avec... voilà, il y a plein d'autres personnes également qui étaient... Allan Kardec aussi. D'accord, ce sont tous des gens dans la connaissance du 19e siècle. Donc c'est un ouvrage que... C'est auquel collection, excusez-moi, je ne sais pas. Voilà. C'est un truc comme ça, voilà, au bout. Donc, vous le trouverez, bien sûr, sur tous les bons sites marchands, mais je crois que c'est très important, quand on veut aborder la magie cérémonielle, de lire ce livre-là, ou tout au moins de l'avoir dans sa bibliothèque. Voilà, les amis. Alors, merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo d'hier concernant l'économie et les sous-sous et les pipettes. C'était vraiment adorable de votre part et tous vos commentaires toujours aussi charmants à mon égard. Alors, concernant le sujet du jour, au bout du tunnel, le scandale, parce que depuis quelques jours, j'ai des retours. Vous avez entendu parler de ces fameux tunnels par rapport aux bambins, etc., à travers le temps. J'ai d'autres images qui me sont arrivées. Alors, on va parler que du côté franchouillard. On va pas aller chercher plus loin, mais je veux savoir... par rapport à ce trap.fig de bon.bain, vous comprenez ce que je veux dire, et je veux comprendre ce qui s'est passé par rapport, parce que de plus en plus je vois des choses qui me donnent envie, vous voyez ce que je veux dire quoi, qui me donnent envie de ger.b, hein, vous voyez ce que je veux dire, je le dis allez communément, parce qu'il faut le dire communément, avec des gras du point bide, vous voyez ce que je veux dire, les Gérard et machin chose. Donc, je veux savoir si tous ces gens sont bien là-dedans ou pas là-dedans. Si j'ai des images, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'ai repris le Paul Husson, les enfants. Le Paul Husson, pour moi, est très, très important. C'est un jeu qui m'apporte beaucoup. D'accord? Donc, allons-y. Donc, ça, c'est les cartes majeures pour les nouveaux abonnés. Et ici, nous avons les cartes mineures. D'accord? J'ai toujours traité le tarot dans son entièreté. Chaque tarot est différent, mais si vous apprenez à faire les cartes, dites-vous bien que les cartes vous parleront toujours en rapport avec vos propres connaissances, d'accord, sur le sujet.
personne ne sera plus que vous, là simplement les cartes vont épouser votre esprit et automatiquement retranscrire les réponses. Elles vont vous donner les réponses, elles vont aiguiser votre intuition. Voilà. Alors, on y va concernant les au bout du tunnel, le scandale, d'accord ? C'est le titre qui m'a été imposé, donc je fais toujours ce qu'on me demande de faire, d'accord ? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire par rapport à ces bancs en bain. D'accord, on en a beaucoup parlé il y a un an ou deux, je crois. Hein, voilà, franchement, je m'étais refusée à faire quoi que ce soit parce que je ne voyais pas le faire tout simplement. Là, voyez-vous les amis, donc je prends les cartes majeures, je prends les cartes mineures et maintenant, je les mixte tout ensemble. Hop. Voilà, hop. Donc, alors, concernant le bricaton et compagnie et toute la clique, je vous dirais, ou le schpoutz, appelez-le comme vous voulez, je me répète sur le sujet, oui, ça va ruer dans les brancards et je suis entièrement d'accord avec vous, mais restez calme et surtout ne vous mettez pas en danger, d'accord ? Attention, si je vous dis ça, c'est que j'ai mes raisons. On est clair sur le sujet, hein ? Voilà. Alors, c'est des périodes qui vont être incontrôlables. Voilà, alors dites-moi. Et si vous voyez des gens dans votre quartier qui vous semblent bizarroïdes, ou tout au moins, ben restez chez vous et ne sortez pas et dites à votre mari ou à votre la personne qui partage votre vie de rester tranquille à la maison et de ne pas répondre à l'adversité, ce n'est pas le moment. J'ai appris qu'à Valence, notamment un monsieur s'était pris un coup de pic-pic, hein, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement parce qu'il n'avait pas coupé de la salade pour un kebab. Vous voyez où on va ? Voilà. C'est fou hein, quand même. On est rentré dans une autre phase. Donc, où les gens se comportent encore, j'allais dire, comme des animaux. Et j'ai beaucoup de respect pour les animaux parce que quand je vois les animaux, ben, je suis contente d'avoir mon chien. Voyez-vous ce que je veux dire ? Voilà. Mon chien me fait rire, ou excusez-moi les amis, mais les gens me font plus rire du tout. Voilà. Ça m'amuse moins. Donc, c'est pour ça que je me mets en recul actuellement. Et il est vrai que, bon, à part mon cercle, voilà, mais le restant, je ne réponds plus à personne parce que ça me donne envie, je sais pas, mais c'est pas comme ça que j'ai appris à vivre perso, hein. Vous non plus, je pense, puisque vous êtes sur cette chaîne, donc non. Donc, voilà, on continue. Donc, la question a été posée, au bout du tunnel, le scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Au bout du tunnel, le scandale. Dites-moi, donc c'est par rapport au banc pour un bain. D'accord? Donc, fin de cycle. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas eu de communication. Juste après, ils ont tenté d'étouffer l'affaire. Donc, par rapport à ces bancs, bain, hein, tout simplement. Ça a été étouffé en haut lieu par la force. Ah non, non, non. Donc, non, non, attendez. Ça veut dire que ça a été étouffé, mais ça concernait effectivement des situations professionnelles importantes. D'accord ? Ici, nous avons des situations professionnelles importantes. Il y a eu un changement radical, donc il y a des choses qui devaient sortir dans certains médias. D'accord ? Et ça n'est jamais sorti, je tiens à vous le dire. C'est fou, hein ? Alors, ici, décision, oui, donc c'est du très haut lieu. En très haut lieu, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui se passent. Il y a un projet par rapport à quelque chose. Ouais, pour l'instant, c'est caché. Donc, ce qu'on a su, c'est qu'une partie. Parce que moi, j'avais comme partie, si vous voulez, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas envie de vous choquer, les amis. Mais pour moi, il y avait du trafic, point d'or, point gagne. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, aussi. Alors, on parlait de balais dit bleu ou des balais dit rose aussi. D'accord? Voilà. Non, mais j'ai toujours... Excusez-moi, j'arrive pas à me l'enlever de la tête chaque fois que je pense à ça. Je retourne toujours au C.na.
voyez ce que je veux dire? Voilà, au palais dit de Luxembourg. Alors ici, il y a eu un projet. Comment ça se fait? Bon, bah écoutez, excusez-moi, mais là, je vais vous dire, c'est pas fini cette histoire. Bon, alors je vais choquer, excusez-moi mes amis catholiques, mes amis chrétiens, parce que j'ai beaucoup de compassion pour vous, mais là, pour moi, au sein, ben, on avait fait une émission avec une jeune fille qui avait disparu et compagnie, ben c'est ça, il y a toujours des gens qui profitent de certaines choses au sein de Rome, notamment, mais pas qu'au niveau de Rome, on me parle aussi de la Suisse. D'accord. Et il y a un déséquilibre chez ces gens. Oui, ben moi j'ai des forces à l'intérieur, comme des cercles dits de pouvoir, d'accord, qui gèrent ce genre de choses. Mais comme si, oh là là, non, pas ça quand même. C'est des fous ces gens. Ils sont fous. Ils sont frappés. On parle de consommation. Dit de banc point bain. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Alors pourquoi? Bon, attendez, on verra après. Hein. Bon, il y a beaucoup d'argent qui ont été délivrés pour garder les choses secrètes, entre potes. Vous voyez ce que je veux dire? Entre potes. Et il n'y a jamais eu de... Ben, la justice n'est jamais passée par là, tout simplement. D'accord? Mais il y a bien des achats. J'espère que... je dirais, là il faut faire quelque chose parce qu'il y a encore des trappes par rapport à ça. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Il y a encore des choses qui se passent. Parce que je vois l'argent circuler, mais ça vient chez nous parce que j'ai demandé chez les Franchouillards, on est d'accord les amis. J'ai demandé chez les Franchouillards. Mais là, ça vient aussi chez nous et ça me dit de, ça me parle d'Afrique aussi. Bon, voilà. Peste aux étoiles. C'est la peste aux étoiles qui arrête le tout, la communication. C'est des gens de la peste aux étoiles. Ben là, je vois bien des bambins qui sont achetés. Excusez-moi, hein, je ne peux pas vous inventer des choses. Je vois des bambins qui sont séparés pour être achetés. Oh là là! Projet. Il va y avoir un moment donné, alors là c'est pas pour l'instant, hein, je vous le dis, parce qu'ici on peut remarquer que rien ne bouge, que tout est sous silence et compagnie. J'ai toujours le gros, vous savez, excusez-moi, c'est pas péjoratif, prenez-le pas comme ça, mais c'est pour donner une signification, vous savez, ces gens très à l'aise, qui se permettent, qui sont faire des petits gâtes point riz, d'accord, qui ont le droit, et qui se permettent de virer les gens comme des malpropres. Je pense à notamment ce médecin qui a été viré du C.A, qui n'est plus à l'heure. Donc ici, un projet. Je peux vous l'annoncer ici, effectivement, il y a un trappoint fixe, d'accord, au niveau des familles, où il y a de l'argent qui est déversé pour récupérer les bambins, pour en faire de la consommation. Donc ça existe toujours, et comme je vous le dis, je ne parle que chez les Franchouillards. Je ne parle pas d'où ça vient, je dis chez les Franchouillards, ça existe toujours. Donc ça devrait être dénoncé, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Rupture. Ah, déjà. Bon, il va y avoir un blocage. Là, ça m'annonce. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai annoncé là, c'est atroce. Et encore, je ne vous ai pas dit la moitié de ce que je viens de voir. Parce que je n'ai pas envie de vous heurter. Mais ici, mais enfin, vous imaginez bien, de toute façon. Nous avons des ruptures financières. Donc, il va y avoir des filières qui vont être dénoncées et arrêtées. Il va y avoir quelque chose, mais il y a un gros blocage par rapport à ces gens à venir où des choses vont être dénoncées. C'est pour ça qu'actuellement, on rentre dans une espèce de sang pour sûr que rien ne soit dévoilé parce que, bon, que Bricaton prenne des lignes de coco, ben, tout le monde le sait, enfin franchement, à moins de, voilà, d'être tombé de la dernière pluie, la peine 3 semaines, je veux bien, mais là non. Et là, je peux vous annoncer d'entrée de jeu qu'il y a une rupture, donc il y a quelqu'un qui va s'en mêler effectivement pour dévoiler, on me reparle de la Suisse.
Rupture. Attendez. Une action. D'accord. Donc, des gens qui, je parle dans les régions là pour le coup, des gens qui sont consommateurs, oh, excusez-moi pour le terme, mais c'est cela en fait, hein, d'accord? Il va y avoir ils ne pourront rien faire et je vois la justice, la popolice, ce, s'en mêler à un moment donné et avoir beaucoup d'arrestations. D'accord? Rupture. Donc, ces gens qui ont beaucoup de pèse pour avoir ce qu'ils veulent, d'accord, va y avoir une chute de leur part, et tant mieux, excusez-moi, je vous dis ce que j'en pense, et une forme à l'international, donc on va voir qu'un certain réseau, d'accord, va être en rupture avec un lien avec l'étranger. Et on voit, il y a des cercles dits de pouvoir, pas ceux que vous pensez, d'accord? Mais d'autres qui vont sortir ou des gens qui ont été en poupe pendant 40 ans, je vous fais grâce des détails, vous avez compris, vont devoir rendre des comptes. Qu'est-ce que nous avons ici? Colère. Sans communication, il y aura une colère. Je vois des gens se venger par eux-mêmes. D'accord? Et ah ben voilà, nous avons au sein de la juste pointille des gens impliqués à l'intérieur, dans ces cercles de pouvoir, d'accord? Et qui profitent de, excusez-moi pour le terme, bon, ça me hausse le cœur, mais qui profitent de cette consommation. Donc pour moi, il y en a beaucoup d'implis pointés à l'intérieur. Oula. Bon. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une action. Donc pour moi, il va y avoir une enquête, d'accord, sur ces allées-venues d'argent. Et on peut se rendre compte, ça va se casser la figure. Pas l'enquête qui va se casser la figure, des gens vont être arrêtés. Je vois de grosses émissions sortir, d'investigations sortir sur le sujet. Mais là, c'est étrange, j'ai comme un goût, si vous voulez, alors là, ça vient côté plus voyance, je dirais, j'ai comme un goût, comme si c'était en cours, voyez-vous, comme s'il y avait quelque chose en cours. Oh là, excusez-moi mes amis belges, j'ai quelqu'un qui vient de la Belgique, qui est impliqué à l'intérieur. Alors je vais le dire en plusieurs fois. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, mes amis belges, d'accord? Il s'appelle Ren point point Ders, d'accord? Voilà. Ensuite. D'accord. Il y a pour moi des relations donc avec l'étranger, mais je vous dirais comme des propriétés qui se trouvent aussi à l'étranger, qui ont un rapport avec chez nous. C'était comme si on dilapidait, voyez-vous, des bancs, point bain, les uns derrière les autres. Alors là, je peux vous annoncer, ouais, il y aura un changement radical et une prise de décision. Et pour moi, il va y avoir comme une enquête, mais alors là, on est plus dans autre chose, à l'inter.national. D'accord? Voilà. Là, il y a quelque chose qui est. Ouais, c'est comme si j'avais euro.pol. Voyez-vous, j'ai quelque chose de plus. En fait, il y a il y a beaucoup de choses qui vont sortir ces derniers temps. Il va y avoir une action de quelqu'un sur ces gens-là qui ne sont pas des amis, qui sont bien des ennemis, et il y aura une communication sur le sujet. Donc, je peux vous annoncer, ça va être un énorme scandale, d'accord? Et là, je peux vous dire, ça va être gigantesque. Tout un réseau énorme.
comme vous n'avez pas idée, comme vous n'avez jamais pu, mais avec des gens très haut placés, des sinistros et compagnons. Ben voilà, ben écoutez, c'est bien ce qui me semblait. Bricaton est bien au mieux, d'accord? Parce qu'il ressort la tête à l'envers avec une inaction de sa part, donc il ne pourra rien faire pour protéger ces gens-là d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on il pourra pas faire pour faire taire les gens, il n'y arrivera pas. Il ne pourra pas. D'accord? Alors, sur le plan professionnel, d'accord, donc on parle bien des bambins, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y aura une action subite, rapide, c'est ça. C'est ça. Et là, je vois comme une cour dite des comptes, s'impliquer dans les choses et demander, non plutôt un parquet dit finant, poincier, d'accord. Et là, ça me dit clairement qu'on demandera des comptes et d'explications. Voilà. Est-ce que ce sera la fin de cette histoire? Je ne pense pas. Mais c'est vraiment quelque chose de très grave qui nous touche au niveau des franchoux, point égard. On est bien clair sur le sujet. Contrat est là. Ouais. Et là, ça me dit clairement que dans les associations, si vous voulez, il va y avoir. Mais c'est marrant, j'ai même des parents dit qui sont impliqués à l'intérieur même. Donc, à mon avis, là, de ce qui est en train de sortir, j'ai aussi une application, plutôt, qui me dit c'est comme s'il y avait de la revente, d'accord, sur les réseaux. Donc, il doit y avoir un réseau que je ne connais pas personnellement, mais où on me dit, attention, attention, ça va sortir grave. Ce que je vais faire, je vais prendre l'Agnès Tarot. Alors, dites-moi, Agnès, mon amie, hein, que j'adore, hein, mais elle sait ce que je pense d'elle, et vous le savez également. Donc, dites-moi, mon Agnès, dis-moi ce que tu peux nous dire par rapport à ça. Agnès, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est un très bon jeu. Enfin, si vous avez l'occasion de l'acquérir, pour moi, c'est un excellent jeu. Dites-moi ce que tu peux me dire avec Au bout du tunnel. D'accord? Voilà. Bon, on va pas marquer scandale parce que je risque actuellement, il y a trop de choses qui se passent. Vraiment, les amis. Alors, c'est ça. Voyez, donc, il va y avoir, à mon avis, à un moment donné, des femmes qui vont commencer à porter le pompon plus loin et il va y avoir des enquêtes, des révélations. D'accord? Ben, on voit. Ben, j'ai toujours. Vous savez, le même qu'on a parlé, l'organisme qu'on a parlé hier, mais c'est toujours le même qui est impliqué au milieu. Oula. Bon, écoutez, regardez. Il y a bien une relation entre la C.I.A. et Lutèce, d'accord, au palais. Et nous voyons effectivement qu'il y a bien eu des liaisons pour ce genre de choses, et là, ça va être révélé. En fait, l'histoire qui s'est produite avec Sénéneux, vous savez, avec tout ce qui s'est passé avec Pascal, notamment Sonia, Laurence et autres, si vous voulez, du coup, ça va les déchaîner eux, et ils vont faire des révélations, enfin, ils vont sortir les documents qu'ils ont les uns derrière les autres. D'accord? Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien des relations par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on parle, hein, d'accord? Où il y a des récoltes de bambins. Ils sont mis dans un endroit et vous voyez, nous avons raison sur le sujet. D'accord? Donc je peux vous annoncer que c'est toujours en cours, que ça a toujours lieu et qu'il y a, comment vous dirais-je, des tunnels où les bancs point ben passent, enfin, on va le dire comme ça, ou une passerelle, ou comme vous voulez, et où on les met de côté pour s'en servir pour leur propre
consommation. C'est terrible, hein, ce que je suis en train de vous dire. J'en ai tout à fait conscience, les mes amis, mais il fallait que j'aborde ce sujet parce que ça me taraudait et que pour moi, il est temps que tout ceci s'arrête. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, concernant au bout du tunnel, hein, d'accord? Et en attendant, je vous embrasse fort et on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures. Bye bye! Thank you.